Dans la vidéo précédente, nous avons créé une liste de joueurs que nous avons affectés à des groupes. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Dans la taille du groupe, vous mettez le nombre de personnes que vous voulez par groupe. Si vous voulez des doublettes ou des triplettes, vous ajouterez 4 ou 6. Et dans la seconde feuille, nous voulons récupérer le nom des personnes faisant partie du groupe 1 et du groupe 2. Mais pour ce faire, nous devons fusionner les cellules de chaque groupe. Sélectionnez les deux cellules, cliquez gauche sur Fusionner et Centrer, et pour aller plus vite, double-cliquez sur Reproduire la mise en forme. Cliquez sur le 2, cliquez sur le 3, cliquez sur le 4, 5, 6, 7 et 8. Et pour désactiver la mise en forme, appuyez sur la touche Échappe de votre clavier. Dans les deux cellules B du premier groupe, nous allons donc indiquer le nom des personnes qui se trouvent dans le groupe 1, Robert et Richard, et nous ferons de même pour les autres groupes. Sélectionnez la première cellule du groupe 1, tapez le signe égal, tapez la commande Filtre, double-clic gauche sur la commande Filtre, sélectionnez la première page, sélectionnez la colonne des inscrits, point-virgule, sélectionnez la colonne des groupes, tapez le signe égal, revenir sur la feuille partie 1, cherchez le numéro du groupe, et s'il n'y a aucun nom en face, mettez double guillemet, fermez la parenthèse. Appuyez sur Entrée pour valider votre formule. Robert et Richard qui font partie du groupe 1. Robert et Richard qui font bien partie du groupe 1 sont affichés. Vous remarquerez que dans la première cellule du groupe 1, vous avez la commande et dans la cellule numéro 2, vous ne voyez pas la formule. Je n'ai pas trouvé pour faire un recopie d'une cellule sur l'autre, donc je vais sélectionner la formule, copier, je vais la coller ici, CTRL V, je vais changer par A10. En cellule 3, je recopie la formule et je mets A12. En 4, je mets A14. Je pense qu'il y a une formule pour recopier dans une cellule sur 2, mais je n'ai pas trouvé. CTRL V et je suis en A16. Et c'est A18. CTRL V, c'est A20. Et A22. Et vous voyez, comme j'ai personne, mes cellules restent vierges. Il me reste uniquement à faire une certaine mise en page pour grouper
chaque équipe. Voilà comment récupérer vos inscrits pour chaque partie. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.